Anaïs, nous allons passer au troisième exercice. Donc, avec le premier exercice, tu as explosé ton manque de confiance. Avec le deuxième, tu t'es empli de confiance. Et maintenant, nous allons faire un exercice qui s'appelle les doigts en griffe, qui va te permettre de maintenir cette confiance en toi. L'exercice consiste à lever les bras à l'horizontale en inspirant par le nez, à bloquer ta respiration, à contracter tes mains et tes avant-bras en griffe, comme si tu attrapais cette confiance, et à la ramener doucement jusqu'à ta poitrine. Puis tu souffleras doucement, comme dans une paille, en ramenant tes bras le long du corps. Tu es prête? Tu as compris les consignes? Alors je t'invite à fermer tes yeux. Inspire par le nez en levant les deux bras à l'horizontale devant toi. Bloque ta respiration, contracte tes doigts en griffe et ramène-les comme si tu ramenais quelque chose vers toi. Et souffle doucement par la bouche en ramenant tes bras le long de ton corps. Accueille les sensations dans tes mains, tes avant-bras. Prends conscience peut-être d'un début de relâchement dans tes mains, tes avant-bras. Tu vas le refaire une deuxième fois et cette fois-ci, tu vas bien aller agripper toute la confiance en toi dont tu as besoin. Inspire profondément en levant tes bras devant le toit à l'horizontale. Bloque ta respiration et agrippe bien avec tes mains toute cette confiance dont tu as besoin et ramène-la vers toi pour la mettre dans ta poitrine et la maintenir dans ta poitrine. Et souffle doucement en ramenant tes bras le long du corps. Reprends une respiration libre et naturelle. Accueille la force, la confiance en toi dans tes bras, dans ton corps. Prends conscience de cette confiance en toi qui se maintient en toi. Et maintenant, à ton rythme, tu vas le refaire une troisième fois pour installer définitivement la confiance en toi. Reprends une respiration libre et naturelle. Accueille ces sensations de confiance dans ton corps. Prends conscience de ta capacité à maintenir la confiance en toi. L'exercice est à présent terminé. Tu peux ouvrir les yeux. Ça va? On peut continuer?